Des attaques inacceptables. Au casting du film Rosalie, présenté dans la section Un certain regard il y a quelques jours à Cannes, la jeune Anna Biolay a été vivement critiquée par les internautes après avoir monté les marches pour la première fois. S'attaquant à sa famille célèbre ou à son physique, ceux-ci ont attisé la colère de son père et de sa tante, qui l'ont défendu publiquement. Présente sur la croisette pour la première fois cette année pour présenter son premier long métrage Rosalie, Anna Biolay a marqué les premiers jours du Festival de Cannes, ravissante, émerveillée et parfois un peu tendue par l'événement, la jeune actrice en herbe a semblé sur un petit nuage au moment de fouler son premier tapis rouge puis de monter les fameuses marches. Mais certains internautes mal intentionnés ont fini par gâcher la fête, après son passage devant les photographes auprès de l'équipe du film, dont son père, Benjamin Biolay, qui fait également partie du projet. Plusieurs d'entre eux se sont amusés à la critiquer gratuitement sur sa famille célèbre, puisqu'elle est également la fille de Chiara Mastroianni et la petite-fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni. Pire encore, quelques insènes sont pris à son physique, utilisant des mots très violents. Des attaques qui ne sont absolument pas passées auprès de sa tante, Coralie, qui s'est fendue d'un long message pour la défendre. Depuis 24 longues heures, ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant. Outre le fait d'être la fille de et de surcroît, n'avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler, évidemment, elle lit qu'elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère. En d'autres termes, qu'elle est grosse et laide et qu'elle n'a rien à faire dans le paysage cinématographique français, a-t-elle débuté, très en colère, avant d'énumérer ses qualités. Je la regarde, belle comme le jour, devant moi, d'une gentillesse, d'une intelligence et d'une clairvoyance incroyable pour son jeune âge et je vois comme cette ultra-sensible jeune femme souffre de lire de telles salves de méchanceté alors que la seule chose qu'elle ait faite est de faire partie grâce à son travail, son acharnement et son indéniable talent, il en faut obligatoirement, du casting à un bon film, défend-elle, consciente cependant que la jeune femme a bénéficié de son nom de famille célèbre. Sans toutefois en abuser, loin de là. Elle ne prend la place de personne. Elle a passé 50 castings, elle a lu, travaillé, analysé des tonnes de films, assure-t-elle. Elle ne sort pas de la rue, certes, mais elle n'a pas à subir tant d'ignominies du haut de ses 20 ans. Je suis choqué de voir ce que des mères de famille peuvent écrire sur les réseaux sociaux, à quel point l'aigreur peut entraîner le pire de l'être humain, dénonce la jeune femme. Son message, relayé par Benjamin Biolay lui-même, a suscité le soutien de nombreux autres internautes, qui ont tenu à assurer la jeune Anna de leur soutien. Le chanteur a lui-même relevé certains commentaires extrêmement violents pour montrer à ses abonnés le harcèlement sévère touchant sa fille. Des attaques insupportables que la famille ne va sans doute pas laisser passer et que la tante d'Anna Biolay, restée quant à elle très silencieuse, a une nouvelle fois dénoncé dans la fin de son message, les comparant même à de la violence physique. Vous allez dire que je ne suis pas objective ? Sans doute, il s'agit d'une des personnes que j'aime le plus dans ma vie mais je ne peux pas laisser la haine et la violence détruire la confiance et la fierté d'une enfant de 20 ans, si est-il tout simplement ignoble. Point, a-t-elle fulminé. L'agression morale est un délit comme l'agression physique. Tout le monde serait choqué de voir une femme ravissante et douce de 20 ans se faire tabasser dans la rue, eh bien sachez que ma nièce vient de vivre une agression gigantesque et que ses hématomes sont bien visibles. J'aimerais simplement que les gens derrière leurs écrans prennent conscience qu'ils tabassent gratuitement des enfants. Vous êtes monstrueux simplement, a-t-elle conclu. Un message fort qui, on l'espère pour la jeune fille dont le talent ne demande qu'à se développer, va enfin calmer les choses.